Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play d'Oblivion. Et de toute façon, on va pas perdre de temps, on va continuer directement d'affronter des gars. Pourquoi? Parce que attends, je roule sur la concurrence actuellement. Donc, on va pas perdre de temps, on va pas tergiverser, on va pas faire des intros qui durent 30 secondes, même si je suis perdu dans mes phrases. Je vous ai fait du... Voilà quoi. J'ai mangé mes mots, je les ai avalés, je les ai vomis, je les ai remangés. Voilà, même si cette intro fait déjà plus de 30 secondes, du coup, effectivement, voilà, bon, bref, du coup, je suis passé vers Sœur de Sang, hein, le monsieur qui est là, je Owen. Je suis très occupé, qu'est-ce que c'est? D'accord, j'ai compris. Notre cher Owen, notre cher et mal poli Owen, nous a passé vers Sœur de Sang, et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut peut-être qu'il nous autorise à aller faire le prochain combat, donc c'est parti. Vous avez atteint le rang de Verseur... Oui, ça, tu me l'as déjà dit, du coup, je suis prêt pour un match. L'adversaire suivant est un rouge garde. Je l'ai déjà vu se battre avec une masse d'armes et une épée. Ouh. Alors soyez prêts à affronter l'une ou l'autre. Je sens que mon bouclier va prendre cher. D'ailleurs, faudrait que je pense à réparer mes armures. Parce que là, vu les coups que j'ai pris pendant les 25 dernières minutes, voilà quoi, je peux pas trop. Est-ce qu'on peut attendre? Putain, il fait quasiment nuit, c'est chiant ça. Vu les coups que je me suis pris ces dernières 25 minutes, je pense qu'il y a quand même quelques petites réparations à faire. Il n'y a rien de mieux que de regarder deux verseurs de sang hyper motivés combattre jusqu'à la mort pour la renommée et la gloire. Ah bah oui. Mais assez parlé, que la bataille commence. Ouais, t'as raison, ferme ta gueule, laisse-moi combattre. Il va avaler mon épée, celui d'en face. Allez, c'est parti, donc il a une épée. Une épée de Dwemer, non? Non, une épée d'ébène. Ah putain. Allez, tape. Faites le pire dont vous êtes capable. Tape. Voilà. Allez, mange ça. Voilà. Attrape celle avec tes dents là. Ah. Voilà. C'est ça, une épée longue d'ébène et un bouclier d'or. Et après, qu'est-ce que d'ébène aussi. Je connais le principe maintenant. Tu n'es pas obligé de le répéter à chaque fois. Hein. J'espère que le jeu tournera correctement là. Pendant cet épisode, parce qu'il a mis un certain temps à démarrer. Ce qui n'est pas forcément normal, d'ailleurs, d'habitude il démarre au quart de tour, mais là il a mis un petit peu de temps à agir, donc voilà quoi. C'est marrant ça. L'épée ici est tombée exactement pareil que l'épée qu'il y avait là. Ah non, presque pareil, autant pour moi. Surtout qu'elles sont mises à tomber toutes seules quand j'ai allumé le jeu. Bon combat, verseur de sang. 150 pièces d'or. Vous avez vraiment montré à ce rouge garde qui était le chef. Voilà votre part. Maintenant, allez vous nettoyer. C'est déjà fait. Allez, combat suivant. Allez, verseur de sang, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Continuez de vous battre. Mais j'en ai bien l'intention. Votre adversaire suivante porte une tenue lourde, mais elle attaque avec une épée courte. Un peu comme moi, en fait. Elle ressemble à une guêpe en armure lourde et a le tempérament assorti. Attention. C'est peut-être une guêpe, mais moi je suis un frelon. Allez, c'est parti. Merde, j'ai oublié d'attendre qu'il fasse jour. Oh, mais ça va faire un combat, la belle étoile. Bienvenue dans l'arène, peuple de la cité impériale. La suite, allez. Vous êtes venu assister à ce que ces deux verseurs de sang savent faire de mieux. Combattre. Et ils sont prêts à perdre la vie pour prouver leur valeur. Alors que la saignée commence. Non, moi je suis pas prêt à perdre ma vie. Je suis prêt à lui faire perdre la sienne par contre. Hein. Allez, viens là. Ah, c'est que tu te lances des sorts. Elle a un bouclier d'Aedric. Bon, ça va. Et l'épée, je ne sais pas c'est quel genre d'épée. On dirait une épée de fer. De toute façon, elle est morte. La question ne se pose plus. Ah non, une épée courte en argent. Un casque d'ébène et un bouclier d'Aedric. Ouais. On peut toujours rien récupérer. Hein. Il me semble qu'au bout d'un moment, on peut récupérer ce qu'il y a sur les personnes dans l'arène. Hop, allez, petite sauvegarde. Et la suite. D'accord, 150 vous avez tué le breton. Mais n'attrapez pas la grosse tête. Voilà votre récompense. Ma salle rouge est décorée de combattants comme vous. Une fois que vous aurez étripé l'incapable suivant, je veux que vous barbouilliez les murs de son sang. Il est sadique en plus. L'adversaire suivant est un elfe noir. Oh non. Je ne l'ai jamais vu se battre, mais il a un arc et une épée. Alors attendez-vous à ce qu'il attaque à distance. J'ai pas envie d'affronter un mec de mon espèce là. Déjà qu'on s'en prend plein la gueule en temps normal. Si en plus il faut que je les tue. Ah par contre.
Voilà. On va attendre un petit peu. Là, cette fois-ci, je fais pas la même erreur. Imaginez que l'elfe noir, il est en train d'attendre devant le portail depuis tout ce temps. Voilà, t'as passé une bonne nuit, c'était ta dernière. Allez, go, c'est parti. Voilà, il fait gris. Un ciel noir pour un elfe Bienvenue dans noir. l'arène, peuple de la cité impériale. Regardez un peu l'elfe noir de l'équipe On jaune. dirait un Il a un asthmatique qui regard parle. meurtrier. Le verseur de sang de l'équipe bleue peut-il vraiment espérer survivre? Comment il s'appelait Voyons voir. celui qui a des problèmes de santé dans Malcolm? Stevie. Je crois que c'était Stevie. Qui faisait... Bonjour. Comment C'est là que vous vous allez-vous? effondrez. Ah ben là, le présentateur, c'est la même chose. Le mec fait... Bienvenue, peuple de Cyrodiil. Bon, allez, meurs là. Fais pas Meurs, chier. Non, non, c'est lâche. toi qui meurs. Meurs, Non, c'est toi qui meurs. lâche de l'équipe. C'est toi le lâche. Nous avons un vainqueur. T'as jamais Que tout pris le monde autant de salue le plaisir à combattant tuer de un l'équipe elfe bleue. noir, quoi. Vainqueur de l'équipe bleue, quittez l'arène et allez vous reposer. Il avait qu'à pas me Vous dire l'avez meurs. bien mérité. Allez, on se débarbouille. Une petite sauvegarde. C'est une. Pour l'instant, c'est jouissif. On roule Bon sur la travail, concurrence. verseur de sang. Ou devrais-je dire Myrmidon? Oh, C'est exact. Myrmidon. Vous êtes monté en grade. Vous Ah. savez comment ça fonctionne. Plus de sang, plus d'or. Tenez. Ah, j'ai pas vu combien j'en avais eu. Peut-être 200 du coup. Allez, Myrmidon, arrêtez de perdre du temps. Vous êtes prêt à donner une bonne leçon à ces ordures de l'équipe jaune ou quoi? Bon, ça va, il est plus indulgent avec moi. Ne vous laissez pas tromper par votre adversaire suivant. La petite dague qu'il utilise est en fait une arme enchantée puissante que l'on appelle dague scintillante. Et je peux pas la récupérer? Allez, chargez-vous-en. Donc, limite, c'est une dague peut-être unique dans le jeu et je ne pourrais pas la récupérer? C'est frustrant ça. Bon. Ah, là, il fait un peu mieux quand même au niveau du Bienvenue dans temps. l'arène, peuple de la cité impériale. Salut! Acclamez-moi! Le combattant de l'équipe jaune a tué bien des adversaires avec sa dague magique, dague scintillante. T'inquiète, j'ai une épée Voyons si l'équipe équivalente. bleue peut mettre fin à sa série de victoires. Moi, j'ai Croc du Soir. Donc tiens-toi prêt avec ta dague de pacotille là. Wouhou! Allez, donne le Déjà coup. affronter des crabes de masse Voilà. puissants. Et au revoir. Wouah! Bonjour, nous avons un vainqueur. Que tout le monde Putain, je n'ai salue pas le le droit. combattant de Bon, elle l'équipe vaut pas bleue. grand-chose, donc je suppose Vainqueur qu'elle de est l'équipe pas. bleue, quittez l'arène et allez vous reposer. Je suppose qu'en Vous fait l'avez elle est bien pas si mérité. puissante que ça. Ça se trouve, on l'appelait Dague Scintillante parce qu'elle faisait de la lumière autour de la personne, c'est tout. Bon, voilà, le tuer c'était une formalité, hein, vous l'avez compris. Je sais pas si j'aurai vraiment des créatures qui me feront vraiment. Je suis très Qui me occupé, qu'est-ce causeront que vraiment c'est? des problèmes plus tard. Je suppose que vous avez dit à cet elfe des bois ce que vous pensez de sa dague magique, hein? Ouais. Voici votre or. Pas mal du tout. Là il me complimente, c'est cool. Vous avez faim de victoire, Myrmidon. Je le lis dans votre regard. Vous êtes prêt à vous rassasier, hein? Vous êtes prêt pour un autre match? Ouais. Allez, c'est parti. Celle-ci ne réserve aucune surprise. C'est juste une haute elfe qui a un compte à régler. Entrez dans cette arène et faites-lui implorer sa propre mort. Allez, c'est parti. Poussez-vous, le futur champion y passe. On peut sauvegarder là? Ouais, on peut. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'arène, peuple de la cité impériale. Vous êtes venu pour assister à un combat, et vous n'allez pas le regretter. Mais les paroles sont l'arme des faibles. Vous voulez du sang? Ouvrez les portes! Allez, go, c'est parti! Ouvre ces foutues portes! Ya! Allez! Pourquoi? Est-ce que vous ne voulez Merde. pas mourir? Parce que je suis résistant! Vous ne mourrez jamais. Allez, tape. Ah, je l'ai raté. Oh, ce que j'ai esquivé. Oh, ce qu'elle a esquivé. Aouh. À travers le bouclier. Vainqueur de l'équipe bleue, quittez l'arène et allez vous reposer.
Vous l'avez bien mérité. Bon, j'ai fait durer un petit peu le combat, hein. Je l'ai pas trop mal mené, hein. J'ai décidé de voir si je pouvais gérer le combat en faisant des gros coups de bois, hein, et effectivement, ça passe tranquille. Il y a eu quelques belles esquives quand même, hein, pendant ce combat. C'était cool. Aldmer. Ouais, 200 ans, c'est ça. Ils jouent les tout-puissants avant de vous affronter jusqu'à ce qu'ils se retrouvent baignant dans leur propre sang. C'est ça. Voici votre or. Allez prendre l'air. Non, non. Moi, je continue de suite le combat. Votre lame pourfend ceux de l'équipe jaune comme elle couperait du beurre. Un combat de plus et vous passerez au rang de guerrier. J'ai hâte. Allez, c'est parti. L'adversaire suivant est un orque standard, armé d'une hache. Il porte une tenue lourde et a l'air bien entraîné. Ça ne devrait pas vous poser de problème. Non. Allez, ça, je ne me fais pas peur. Bienvenue dans l'arène, peuple de la cité impériale. Tout le monde adore les matchs de progression. Alors voyons ces deux braves myrmidons s'affronter dans un combat à mort. Combattants, à vos armes. Let's go! Ah oui. Allez, donne un coup. Eh oui, t'as rien pour te défendre. Allez, meurs. Voilà. Que tout le monde salue le combattant de l'équipe bleue. Vainqueur de l'équipe bleue, quittez l'arène. Je lui ai quand même laissé porter le premier coup. Hein. J'ai été quand même galant. Voilà. Je suis un guerrier galant. Oh, sympa comme pseudo ça. Le guerrier galant. On dirait... un nom de clan comme dans Camelot avec les petits pédestres. Bah, le clan des guerriers galants. Il y a peu de choses plus effrayantes qu'un orque avec une 250 hache. 250 d'or. Mais vous n'avez même pas bronché. Cette victoire vous permet de passer au rang de guerrier. Bien joué. Merci. Vous êtes un guerrier maintenant. On ne plaisante plus. Ils ne connaissent peut-être pas votre nom, mais les gens, les spectateurs, vous connaissent maintenant. Ils viennent dans cette arène pour vous voir. Alors allez-y. Et donner au public ce qu'il veut. Allez, c'est parti. J'ai déjà vu la combattante suivante se battre. C'est une nordique, très rapide, très puissante. Elle préfère les épées longues et sait s'en servir. Ne la sous-estimez pas. Ah, une petite nordique comme on les aime. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, on monte l'acrobatie en plus Bienvenue de ça. Bienvenue dans l'arène, peuple de la cité impériale. Elle a un bouclier aussi, en plus de l'épée longue. Applaudissez ces deux combattants qui s'apprêtent à affronter leur destin tandis que les portes s'ouvrent. Je veux combattre. Je veux ma chaussure. Allez, go. Wouh. Oh le bordel. J'adore son bouclier. Elle est résistante, hein. Vous ne mourrez jamais. Ah non, j'ai rien dit. Vous allez mourir. Donne un coup pour voir. Je l'ai empalé au sol, mais elle a perdu son bouclier du coup. Bleue, quittez l'arène et allez vous reposer. Vous l'avez coup, bien mérité. Je ne sais pas c'est quoi le bouclier qu'elle avait. Il était beau en tout cas. Ouah, je l'ai cloué au sol. Ouais, enfin déjà je l'ai projeté un truc de malade. Et après je l'ai achevé comme un insecte. Vous avez laissé cette nordique dans un drôle d'état, guerrier. Ils vont devoir la renvoyer à bord de ciel en morceaux. Ouais, ouais. Bon travail. Bon, il ira sauver voilà de merde. Votre part. Mais regardez-vous. Vous continuez d'en redemander. D'accord, guerrier. Vous êtes prêt pour un match ? Il me sourit maintenant. Allez, hop, prêt pour un match. Ah, les jeteurs de sorts. C'est justement votre adversaire suivante, une ensorceleuse haute elfe ou quelque chose comme ça. Approchez-vous d'elle et poignardez-la plusieurs fois. Ça lui apprendra. Ok. Alors c'est drôle parce que j'imagine le mec en face dans l'équipe jaune qui fait un brief à ses guerriers en disant à chaque fois en fait qu'il me présente, c'est « Oh, c'est juste un gros bourrin ». Voilà, allez-y, tuez-le, hein, démerdez-vous maintenant. En fait, y'a rien de plus à dire, je suis juste un gros bourrin, quoi.
Après, je peux être un jeteur de sorts s'ils le veulent, mais... Je vais pas m'emberlificoter les pinceaux avec des sorts, alors que je peux tout régler avec une épée pour l'instant. Ces guerriers ne demandent qu'à vous faire plaisir. Et s'ils infligent souffrance et douleur à leurs adversaires par la même occasion, c'est encore mieux. Il y a un truc qui serait marrant à faire, ça serait d'augmenter la compétence d'archerie pour utiliser l'arc qui fait des effets différents à chaque sort. Ah, il s'est pris un sac coup d'épée dans la gueule. Elle donne un petit coup là. Ouah, je l'avais quasiment one shot. Nous avons un vainqueur. Que tout le monde salue le combattant de l'équipe bleue. Ouais, je ne peux toujours pas. Vainqueur de l'équipe bleue, quittez l'arène et allez vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Et hop là. Allez, 250 pièces d'or dans la poche. Eh, c'est comment petit à petit? Un autre haut elfe vient d'apprendre la signification du mot humilié grâce au guerrier numéro 1 de l'équipe bleue. Vous avez vraiment mérité votre récompense cette fois. Mais je la mérite tout le temps en fait. Vous n'avez besoin que d'un match de plus pour passer au rang suivant. Oh. Celui de gladiateur. Rares sont les combattants qui vont aussi loin. Mais vous êtes une exception, pas vrai? Bah, il m'aura fallu 50 minutes pour aller aussi loin. Allez, prêt pour un match. Votre adversaire suivante est l'orque la plus sauvage et sanguinaire que j'ai jamais vue. Et croyez-moi, j'en ai vu. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Ouais, pour elle surtout. Elle va franchir cette porte avec un marteau de guerre de la taille d'un enfant et le faire virevolter jusqu'à ce que votre tête explose. Ah, ne la laissez pas faire. Putain. J'ai laissé le logiciel de Blizzard, la Battle.net ouverte, c'est pour ça que vous avez entendu ce son-là. Faudrait que je le ferme pour l'épisode d'après. Tant qu'on m'embête pas, qu'on m'envoie pas de message. Mais là, c'était une notification de connexion d'un de mes amis à un jeu. Ouh, elle a une sacrée armure aussi, je crois, non? Ah non, pas du tout, c'est juste sa peau verte. Je croyais qu'elle avait une armure complète en vert. C'est un match important, car le vainqueur passera au rang prestigieux de gladiateur. Alors sans plus de cérémonie, que la bataille commence. Allez, ce n'est qu'une formalité pour moi. Ouvrez ces foutues portes. Banzai! Ah, son coup m'a quand même fait mal. Hein. Allez, il est temps d'en finir. Premier vrai coup que je reçois dans la gueule depuis le début de mes combats. Nous avons vainqueur. Que tout le monde salue le combattant de l'équipe bleue. Comment elle est morte? L'équipe bleue, quittez l'arène et allez vous reposer. Il y a une position lascive. Oh baby, tu veux combattre avec moi? Tu veux jouer avec mon gros marteau? Allez, hop, petite sauvegarde. Vous avez frappé cet orque si fort que même sa mère s'est mise à saigner. Oh. Il est resté en Orsinium. Cette victoire vous permet de passer au rang de gladiateur. Ouais, comme ça clash. Profitez bien de l'or que vous avez gagné. Allez. Gladiateur. Ce n'est pas souvent que je peux appeler quelqu'un par ce nom. L'équipe bleue est fière de vous, petit. Merci. Et maintenant, allez tuer quelqu'un avant que je m'attendrisse trop. Allez, je suis prêt pour un match. Écoutez bien. Le match suivant est un scandale, mais je ne peux rien y faire. Vous avez 3 adversaires cette fois-ci, et vous devez tous les vaincre. D'accord. Ce sont des prisonniers argoniens amenés ici depuis le Marais Noir. On leur a dit de vous tuer pour retrouver la liberté. Ah, d'accord. Je ne sais pas quel crime ils ont commis, mais c'est votre vie contre leur liberté. Le choix ne devrait pas être trop difficile à faire. Allez-y, et faites attention à vous. Ça fait des magouilles, en fait, pour que je perde. C'est compris. On va arranger ça. On va leur épargner la réflexion à ces argoniens. Ils avaient qu'à pas être arrêtés à la base d'abord. Bienvenue dans l'arène. Je m'en fous qu'il ait mérité ou non. On dirait que l'équipe jaune a trompé son monde en remplaçant son combattant par 3 prisonniers argoniens. Voilà qui devrait être intéressant. Ah ouais, t'es surtout une magouille. Ouais. Allez hop, à la queue les gars. D'accord.
con. Wow. Est-ce que je pars dans la gueule? What the fuck? Ouais, je suis une victime là. La victoire. Allez. Ah merde, l'épée maintenant a un enchantement insuffisant. Allez, un de moi. Allez, on m'appelle le hachoir. Attendez, hop. Voilà, on va pas trop leur mâcher la tâche quand même. Allez hop. What the fuck? Mais il est toujours pas mort. Voilà. Bonne gens, nous avons un vainqueur. Que tout le monde salue le combattant de l'équipe bleue. Putain. L'équipe bleue, là ça commence à devenir Tandax. Vous l'avez bien mérité. Mais pourquoi ça me coûte autant les sorts? Oh oui, merde. Parce que j'ai plus la tenue et qu'il y avait un truc qui augmentait la magie sur ma tenue. Donc là, juste le fait de... Je peux lancer juste deux fois le sort de guérison et pas 4 ou 5 fois. D'accord. Il y a un truc que j'ai trop envie de faire, attendez. Pour la fin de la vidéo. Invocation d'Askill. Ah, on pourrait même invoquer Atronach de chair et trucs comme ça. Ah ouais. L'équipe jaune a même réussi à me surprendre avec ce match. 3 contre 1. Je suppose qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, hein? Bien joué. Merci. Vous n'allez pas vous arrêter avant d'avoir atteint le rang de champion, hein? Très bien. L'équipe bleue a bien besoin de gloire. Allez, je suis prêt. C'est moi. Après le dernier match, celui-ci devrait être un jeu d'enfant. Un 4-jit en tenue lourde, sans doute avec une épée. Ça ne devrait pas vous poser de problème. Allez, c'est parti. Je sais pas si l'invocation marchera dans le... dans l'arène. Le mec, tu l'invoques en plein milieu d'un combat d'arène. Je sais pas s'il combattra avec moi, justement. Peuple de la cité impériale. On ne peut pas s'empêcher de compatir avec le Kajit de l'équipe jaune. Parce qu'on adore tous le gladiateur de l'équipe bleue. Ah, voyons merci. Voir comment... Allez, ouvre cette foutue porte là. C'est bien beau de me faire des compliments, mais il faut tout bouiller un peu. Hop là. C'est pas ça, je me suis planté. Non. Bon, bah dans ce cas-là, désolé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Allez hop, un petit Atronach des chairs. Ah mais il est lent. Putain, mais je passe mon temps à la rater. Hein. Ah, oui, il y a quelque chose que je tilte aussi. Merci, mon pote. Il est immense. Je peux toujours pas récupérer. Bon. Bah comme ça s'il m'emmerde moi aussi je peux invoquer quelque chose. On invoquera peut-être un truc un peu plus efficace, genre un vil séducteur la prochaine fois. OK. Allez, on fait ça, on va en profiter pour se reposer quelques heures histoire que l'épée change, je crois. Et l'épée n'a pas changé. Ah, si, c'est bon. Voilà. Vous avez montré à ce chat lequel des deux avait les griffes les plus acérées, hein? Je n'en attendais pas moins. Voici votre or. Maintenant, allez vous laver. Vous faites peur à voir. Je dois avoir des tripes de partout, mais malgré le fait que je me sois déjà lavé. Bon, en tout cas, on a bien avancé. On se rapproche du grade de gladiateur. Pas de gladiateur, pardon, de champion. J'espère que cet épisode vous aura plu, je les écrase tous, c'est vachement jouissif. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde, c'est Looping. Bye bye.